Le mélange pour le visage uniquement ma belle, parce que je sais que ça fait longtemps que vous me suivez. Et ça me fait plaisir aussi de savoir que vous me suivez depuis la Mauritanie. Et on va dire merci à qui? Merci à TikTok de savoir aussi qu'on est connecté avec le monde entier. En tout cas, ça me fait plaisir. Mais pour le visage, ma belle, c'est même pas la peine de se compliquer. Si c'est la crème de coco butée là, uniquement pour le visage là, visage clair là. On n'a pas besoin de mélanger parce que quand on fait le mélange là, si on n'a pas fait le bon dosage là, ça passe pas bien. Donc, surtout le visage est délicat. Ce que je vais vous dire de faire, c'est très simple et vous allez comprendre. Vous allez prendre seulement votre crème de coco butée. Vous allez prendre seulement la quantité comme ça. Attends, ça c'est trop même. Ça, parce que sur le visage, on ne met pas beaucoup. Donc, si vous prenez comme ça la quantité là, voilà, je rapproche très bien. C'est tout petit de la crème. Vous allez mettre dans votre paume des mains et vous allez prendre votre huile éclaircissante. Je le dis toujours, mélangez-les avec une huile éclaircissante, c'est mieux. Donc, vous allez prendre, quand vous avez pris une petite quantité comme ça, vous allez seulement appuyer une pinche, pas plus. Une pêche d'huile éclaircissante. Donc, ça veut dire que là, comme ça, vous allez mélanger en même temps. Là, comme ça, tous les jours, vous avez le même dosage et tout. Donc, et vous allez venir appliquer sur votre visage. Voilà, uniquement pour le visage là. C'est même pas la peine de mélanger pour dire, ah, aujourd'hui, j'ai fait le bon dosage ou pas. Donc, seulement prenez une quantité et seulement un pinch d'huile éclaircissante. Donc, vous mélangez dans votre main et vous appliquez sur votre visage. En tout cas, et je sais que ça fait longtemps que vous me suivez. En tout cas, un gros bisou. Et de savoir que je suis suivie par la Mauritanie, ça me fait plaisir.